J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire montrer les achats que j'ai achetés au Trocathlon. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'en ai fait 4. J'en ai pas fait énormément, vous avez été nombreux à me demander de vous les faire voir. Donc du coup, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai acheté une paire de protections noires. Donc c'est de la marque Fuganza. Voilà. Donc c'est des protections en fait ouvertes, tout simplement parce que Kimmich ne peut pas mettre des protections fermées parce que avec sa blessure c'est impossible. Donc elles sont noires. Le seul point négatif c'est qu'ici il y a écrit le nom de la personne qui les avait avant. Mais bon, c'est à l'intérieur donc ça va pas se voir. Donc elles sont noires en très très bon état. Je vais vous en ouvrir pour que vous puissiez la voir. Si je réussis. Donc en fait c'est des protections ouvertes comme ça, donc vous mettez le membre de votre cheval, vous refermez, hop, je vais réussir, donc vous refermez, vous mettez ce petit clapet là et vous refermez, et en fait ça fait des protections ouvertes, voilà. Donc voilà, je trouve qu'elles sont pas mal, elles sont pas énormément rayées, je pense que la personne les a pas mis trop longtemps, à l'intérieur c'est un peu sale, mais ça je vais les passer en machine, donc il n'y a pas de souci. Le scratch est nickel, il n'y a quasi pas de poils sur la partie noire, donc voilà, je suis super contente. Voilà. Et je les ai payés 4 euros. Vous ne voyez rien. Mais voilà, 4 euros au lieu de 15. Donc je suis plutôt contente. Hein. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour des protections. Surtout qu'en plus, elles sont quand même vachement bien. Donc je suis contente. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est un masque pour Kinus pour l'été. Alors comme vous le savez, si vous avez regardé mon dernier haul, il me semble, j'en avais déjà acheté un. Je sais plus si je l'ai fait un haul ou si je l'ai mis sur Instagram. J'en avais déjà acheté un de chez Decathlon avec le scratch qui te met en dessous. Mais je trouve que ça lui sert trop et j'ai trop peur qu'il reste bloqué ou qu'il se le retire. Donc du coup j'ai décidé d'en acheter un autre. Donc il est beige comme ça en haut. Noir ici avec écrit Fuganza. Donc là ça fait comme un bonnet normal. Comme je mets d'habitude à Kinus. Ensuite il est comme ceci. Et en fait il se ferme avec des petites lanières comme ça. Donc voilà, avec des petites lanières comme ça, c'est plutôt sympa. Je ne l'ai pas encore essayé, c'est vrai qu'il faudrait que je lui essaye. Mais je pense qu'il va lui aller. Alors par contre, sur celui-ci, j'ai perdu le prix. Mais il me semble que je l'ai payé 3 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Donc bon, ça va, même si vraiment je me rends compte que bah, il est trop petit ou un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Donc hop, je vais vous mettre les petits fils pour que vous puissiez vous en apercevoir un peu plus. Hop! Donc il y a deux câbles à mettre. Un au niveau un peu des oreilles et l'autre au niveau du naseau. Mais bien sûr, à ne pas trop serrer parce qu'au niveau des naseaux, c'est quand même hyper sensible. Donc voilà, ça donne comme ça. Enfin, je pense que vous connaissez hein, les bonnets anti-mouches. Voilà. Donc là, je suis super contente. Et voilà, donc tout en taille cheval, bien sûr, parce que bah, j'ai un cheval, donc en taille cheval. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est une paire de rennes. Donc voilà, donc une paire de rennes en caoutchouc noir. Ce qu'il y a de plus basique en fait. Marque Fuganza, il me semble. Il n'y a pas de marque, mais voilà. Des rennes classiques, noires, basiques. En cuir ici et en caoutchouc ici. Alors pourquoi j'ai acheté une paire de rennes? Tout simplement parce que les rennes que j'ai toujours eues avec mon filet, l'été, je trouve qu'elles fondent. Tellement ça fait longtemps que je les utilise, elles fondent un peu et ça colle aux mains. Donc du coup, j'ai voulu les changer. Je ne savais pas exactement lesquelles prendre, mais bon, quand j'ai vu le prix de celle-ci qui était à 3 euros au lieu de 20. Bah, j'ai pris celle-ci en fait, vous voyez, taille cheval bien sûr, longueur cheval. Donc voilà, je suis plutôt contente, c'est vrai que j'avais pas prévu d'en acheter, mais bon quand j'ai vu le prix, je me suis dit pourquoi pas. Elles sont en très bon état, en caoutchouc, je sais pas si j'aime ou pas, franchement, je peux pas vraiment vous le dire. Je monte très rarement avec des rennes en caoutchouc, voire même je n'ai quasi jamais monté avec des rennes en caoutchouc, peut-être en club, mais je m'en souviens plus. Mais bon, je pense pas que ça peut être désagréable parce que les miennes ont un côté caoutchouc aussi et un côté cuir. Donc bon, je pense pas que ça va me déranger. Mais voilà, je suis super contente de cet achat-là. Et ensuite, ce que j'ai acheté et que bah, je vais revendre tout simplement parce que c'est pas la bonne taille. C'est un couvre-rein d'estrier. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Qui est marron avec un petit liseré noir et blanc. Voilà. Donc il est super joli, je suis dégoûtée que ça soit pas la bonne taille, mais bon en fait j'ai pas lu la bonne taille sur l'étiquette, donc du coup je me suis royalement trompée. Voilà, donc d'estrier, si je retrouve l'étiquette je vous la fais montrer. Bon, bah j'ai plus l'étiquette, je sais pas où elle est partie.
En fait, c'est une taille 135 et moi, à Kinu, je mets entre du 145 à 155 pour les couvre-reins parce que, quand même, et Kinu, c'est quand même super long. Donc voilà, donc elle est vraiment trop petite, mais c'est pas grave, je vais la vendre au pas de troc. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, le petit liseré. Ici, il y a le petit scratch basique sur un couvre-rein. Ici, il y a le petit mousqueton pour pouvoir fermer en dessous la queue. Voilà, de marque Destrier. Je vous l'ai déjà fait montrer, mais bon, si vous êtes des curieux, je vais vous les faire voir. Voilà. Donc, un couvre-rein basique que j'ai payé 5 euros, je crois. Entre, non, voire même moins, 4 euros. Quelque chose comme ça. Donc, voilà, ça valait le coup. C'est pas grave, je vais le revendre au pas de troc. Il n'y a pas de problème pour ça. Enfin, voilà, mes achats sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel article vous préférez entre le couvre-rein, les protections, le bonnet pour le soleil ou... pas pour le soleil, pour les mouches. Ou les rennes, voilà. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous aime très très fort.